en contemplation devant la sainte face de notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Marie, Mère des douleurs, Mère de miséricorde. En ce premier vendredi, nous venons avec Marie, qu'elle présente tout un chacun de nous à son Fils, qu'elle nous présente tel que nous sommes, qu'elle nous présente avec nos manquements, qu'elle nous présente avec nos faiblesses. En ce premier vendredi de carême, Marie, notre mère, toi qui as souffert avec ton Fils, toi qui as cheminé avec lui tout au long de ce calvaire, c'est toi que nous appelons ce matin. Que tu viennes encore intercéder pour tout un chacun de nous. Intercéder afin que nous puissions obtenir grâce de miséricorde auprès de ton Fils. À cause de nos rejets, à cause de nos injures, à cause de nos mépris, à cause de nos manques d'ouverture, nos manques d'abandon et d'obéissance. Nous venons à toi. Et au pied de la croix de ton Fils, nous nous abandonnons. Nous nous prosternons. Et nous nous déposons tels que nous sommes. Nous déposons notre nudité. La nudité de la colère, de l'amertume. La nudité de nos mauvaises pensées. La nudité de la convoitise, de la jalousie, de la haine, de la peur, de l'envie, de la méchanceté. Nous déposons tout cela au pied de sa croix, afin que lui-même vienne encore, tout comme il a crié à la croix en disant « Abba, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voilà pourquoi en ce matin, nous disons également « Abba, pardonne-nous. » Pardonne-nous. Pardonne-nous pour tout ce que nous avons commis de manière consciente et inconsciente. Pardonne-nous, Abba. Pardonne-nous parce que à cause de nous, tu as été fragilisé. Tu as été injurié à cause de nous. Et avec amour, tu t'es donné pour tout un chacun de nous. Voilà pourquoi nous implorons ta miséricorde en ce matin, en ce premier vendredi, par Marie, notre mère. Qu'elle nous donne de pouvoir supporter nos croix de tous les jours. Que nous puissions, comme toi, dans la douleur mais dans l'amour, porter nos croix de tous les jours. Que nous les portons dans l'allégresse, que nous les portons sans murmure, mais dans l'amour, malgré le poids, malgré la douleur. Et en ce matin, nous sommes réunis dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toujours en unisson de cœur et d'esprit avec tous nos anges et avec tous les saints et les saintes du ciel. Seigneur, voilà la prière que nous t'adressons en ce matin. Qu'il te plaise encore par Marie, notre mère, de venir encore nous faire grâce de ta paix et de ta miséricorde, sans laquelle nous ne sommes rien. De liberté.
entendu et il m'a pris en pitié. Le Seigneur est venu à mon aide. Oui, Seigneur, nous avons besoin d'être sincères avec toi. Nous avons besoin d'un cœur brisé et contrit, afin d'avoir en horreur tout ce qui est mal, d'avoir en horreur tout ce qui est bassesse, d'avoir en horreur tout ce qui est méchanceté. Que nous puissions revêtir l'amour véritable que tu es. Que nous puissions, tout comme toi, nous donner sans murmure, nous donner sans compter, nous donner sans arrière-pensée. Voilà pourquoi en ce matin, devant ta face, nous t'adorons. Nous t'aimons et nous t'adorons. Nous t'aimons et nous te voulons. Père éternel, nous vous aimons et nous vous adorons. Imprégnez-vous dans nos cœurs et faites de nous des saints. Père éternel, miséricorde et louange par les mérites de la sainte face de votre divin Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et par Marie, notre dame des douleurs, Marie, notre dame de toute grâce. Aidez-nous à triompher de toutes nos difficultés intérieures et extérieures. Alors, bien-aimé de Dieu, c'est dans cet élan encore de miséricorde que je te souhaite de passer une sainte et agréable journée dans la présence de Marie. Continue de t'adresser à elle afin qu'elle puisse obtenir favorablement la miséricorde de son Fils. Et je te souhaite de véritablement être sincère dans tes supplications. Et que Dieu agrée encore à notre jeûne de ce jour, à nos efforts de ce jour. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.